aujourd'hui on est mercredi 23 septembre, il est 11h. Donc comme on est mercredi, évidemment j'ai les filles. Ce matin elles se sont levées toutes les deux, donc Raphaël et Sarah. Moi je suis restée un peu dans le lit avec Roxane puisque Roxane dormait avec nous, puisqu'à 3h du matin mademoiselle ne dormait pas, puisque elle a eu la bonne idée de s'endormir à 9h15 hier soir. Donc nous on était contents, sauf qu'à 1h du matin elle s'est réveillée, youpi tralala, c'est la fête. Voilà, donc à 3h du matin elle dormait pas, donc j'ai laissé Mathieu dormir, mais pour le coup moi je dormais pas. Donc du coup ce matin j'ai dit aux filles, j'ai dit à Sarah quand elle est venue me voir, tu vois, tu vas avec Raphaël, vous allumez la télé, vous prenez votre petit déj. Ce qu'elles ont fait, voilà. Du coup, j'ai attendu que Roxane se réveille. Comme ça, elle est pas gronchon, rognon, tout ce que vous voulez. Là, ça va ce matin. Même si moi, je suis claquée, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il est 11h. On a toutes déjeuné pour le coup. J'ai posé un petit soin sur la tête à Sarah, répulsif à poux. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce matin, elle a des petits devoirs à faire, la mistouillette là. Puisque en fait, elle a une dictée vendredi. Mais je veux qu'elle commence à apprendre ses mots à partir d'aujourd'hui. Comme ça, demain soir, elle aura juste à les réécrire une fois et elle les saura. Donc on va commencer les devoirs ce matin. Et après on fera le ménage. Pendant ce temps là Raphaël est en train de me faire la cuisine. Comme ça moi ça m'avance. Donc elle fait la vaisselle, l'essuie la vaisselle, range la vaisselle. Et après elle va aspirer et laver. Comme ça ça sera fait et moi je m'occuperai du reste pendant que je fais les petits devoirs à Sarah. C'est parti, tu es prête? Oui. T'es motivée? Oui. Oui, oui, c'est un petit oui ça. Il y a un E qu'on n'entend pas. Une tortue. Tu dis pas une tortue. D'accord? Il faut bien que tu retiennes le E de tortue. Donc on va le souligner. T, O. Pour faire après R. Tor. Tor. Tu. Ok, faut pas l'oublier le E. Alors Sarah, est-ce que cette dictée c'était dur? Non. T'as réussi? Est-ce que t'as eu des fautes? Non. Elle est en train de faire son coloriage magique, mais sinon il n'y a pas de fautes les amis. Elle a tout bon. T'es trop forte. Bon allez, maintenant c'est ménage pour maman. Toi tu fais ton coloriage magique? Cochon. Bah oui, bah, c'est un coloriage magique. Cochon, cochon. 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça. Trop forte. Bon, quelle heure est... il est 1h moins le quart, je suis toujours en pyjama, j'ai pas fait ma douche, truc de dingue. Bon, bref. Les devoirs à Sarah sont faits, j'ai rincé ses cheveux, elle a fait sa douche, on a rangé sa chambre en grand, Raphaël est en train de faire la sienne. On a toutes fait le ménage dans la maison, ils m'ont toutes donné un coup de main, donc ça c'était cool. Roxane est partie au bain, et une fois qu'elle sera sortie du bain, je leur ferai manger. Voilà, et je crois que cet après-midi, il faut que Raphaël fasse ses devoirs. Et faut qu'on fasse une activité, je sais pas quoi, mais il faut qu'on fasse une activité. Ouais, il y a plein de choses à faire à la maison. C'est un peu la course le mercredi. J'ai l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien faire. C'est un truc de dingue, mais bon. C'est comme ça, il faut faire la maison. Je peux pas ne pas faire le ménage tous les jours. Sinon, ça serait le carnage dans la maison. Voilà. Donc du coup, je vais attendre que Roxane ait fini de faire son petit bain. Ce matin, elle était très calme, Roxane, bien qu'elle ait très mal, qu'elle ait dormi bizarrement. En fait, c'est juste qu'elle s'est couchée très tôt et que quand elle se couche tôt, au lieu de faire une nuit et de se lever tôt le matin, mais en fait, elle coupe sa nuit et je sais pas, elle se réveille. Enfin bref, ce matin, elle a été très calme. Elle a joué à la pâte à modeler là, et franchement, on a pu faire tout tranquillement. Et là, elle est au bain, elle a pas crié. Donc ça fait du bien aussi, voilà. Donc, j'attends que tout le monde ait fini tout ce qu'il a à faire, parce que Raphaël n'a pas fini sa chambre, Roxane est au bain, Sarah je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais Sarah? Elle dessine, voilà.
Et après on mangera tranquillement. Il faut que j'appelle Mathieu pour lui dire que ce soir il faut qu'on aille à Action. J'ai plus de soupline, j'ai plus de lessive. Alors qu'on a fait les courses hier, mais de toute façon c'est pas grave puisque la soupline, la lessive, j'achète plus du tout. J'achète très rarement maintenant en magasin. Je vais à Action parce que c'est beaucoup moins cher et c'est la même qualité. Donc j'ai envie de dire pourquoi se priver. Donc faut que je lui dise ça. Puis j'ai besoin de piles. Parce que ma déco d'automne, elle est en train de s'éteindre, les amis. Mais là je sais même pas si c'est... Attendez. Ouais, voilà. Alors que j'allume ou que j'éteigne, on voit plus rien. Celle-là, elle fonctionne plus. La lumière là, autour de mes bougies, elle est allumée, mais vous voyez même pas. Bref, faut que j'aille chercher des piles, quoi. C'est pas possible. Bon les amis, j'ai complètement oublié de récupérer le vlog. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a commencé une petite activité. Sarah, tu veux bien montrer? T'as fermé ton enveloppe? C'est vrai? Deux, non. Tant pis, on en refera une. Faut montrer aux abonnés. Pas grave, je referai une. On en refera une belle. Va, je vais essayer d'ouvrir. Oui, bah on va essayer d'ouvrir proprement. Ah puis t'as mis la dose de colle, bon on va essayer d'ouvrir. Bon, j'ai réussi à rouvrir cette fameuse enveloppe puisque Sarah est en train de faire une enveloppe à sa maîtresse. C'est un peu flashy hein, quand même. Hein. Bon bref, du coup t'as mis quoi dedans? Des dessins? Oui, avec des cœurs. Donc il faut faire attention parce que je les ai découpés. D'accord. Et donc du coup, elle a fait un petit cœur comme ça en perles à repasser. Donc celui-là, il était déjà fait depuis un petit moment à la maison. Mais j'allais pas sortir le fer à repasser juste pour ça. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de leur faire faire des petits porte-clés avec les perles à repasser. Et voilà celui que Sarah a créé. Pour sa maîtresse, donc elle a fait un petit renard qui est trop mignon. Voilà. Et les dessins sont comme ça. Ah ouais, ah ouais, elle a fait des dessins quoi. Regardez-moi ça. Il est trop beau celui-là. Donc ça c'est avec le truc que maman a acheté chez Tata. Franchement pas mal hein. Et un gros cœur. Eh ben dis donc, ta maîtresse elle est gâtée. Hein. Donc c'est bon, tu peux remettre tout ça dans ta petite enveloppe. Et du coup, Raphaël est en train de faire le sien. Puisqu'en fait, je leur fais faire toujours une par une. Parce que Sarah elle a besoin de moi pour faire les perles à repasser. Et donc Raphaël l'a un petit peu aidé aussi. Et Raphaël elle a choisi de faire une mini en porte-clés. Donc du coup, elle est en train de le commencer là tranquillement. Je lui ai préparé les petits anneaux. Et donc du coup, voilà. Elle fait ça en attendant que Mathieu rentre. Et Roxane nous fait un petit... je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est mon bébé? Je m'en fous. Roxane? Je pense que c'est... Toi aussi tu fais les perles? Waouh, c'est joli. Bonjour. Waouh. C'est une technique comme une autre. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Magnifique. Et voilà, Raphaël a fini le sien. Trop joli aussi, j'aime bien. T'as vu Sarah? Il est classe hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, je croyais que tu faisais du boudin. Non, j'arrive pas à trouver les petits verres comme ça. D'accord. Bon bah voilà, ça c'est fait. Dis donc le chien! Tu vas couper? Ouais, ça donne bien, je suis contente. Ça fait classe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Bon, nous voilà dehors. On va prendre un petit peu l'air. Puis si on est dehors, ça veut dire que Monsieur Hibou est rentré. Mais il court devant moi. Il veut pas que je le filme aujourd'hui. On va voir le courrier. Bonjour Monsieur Hibou. Hello. Vous allez bien? Oui. Ta journée s'est bien passée? Elle était fatiguée. Ouais bah un peu comme nous quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc du coup comme je vous ai dit on va à Action parce que sinon je peux plus laver mon linge. Voilà. Et ouais ça serait dommage sachant que je suis à jour en plus ça serait dommage ouais. Je vais aller juste au courrier et puis on y va. Roxane elle est pas pressée elle. Je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide dans Action quand même. C'est très bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est très très bien. On a juste acheté la lessive, la soupline et puis des cahiers de brouillon pour Sarah parce que du coup pour ces mots de dictée là qu'on a fait ce matin pendant les devoirs, elle a piqué le cahier de brouillon à Raphaël bien sûr, elle lui a demandé avant, Raphaël a accepté, tu confirmes Raphaël, c'est bon? Oui oui. donc du coup je lui en ai acheté, c'était 99 centimes les 4.
Donc autant vous dire que pour être des cahiers de brouillon, ça nous va très bien, hein, voilà. C'est suffisant, effectivement. Donc du coup, en rentrant là... Non, t'as quand même oublié de dire un truc important sur Action. Ils ont mis les décos de Noël. Voilà, le truc, ça m'a choqué, quoi. C'est, en fait, il y a tout là dans Action, parce qu'il y a la fin de l'été, qui reste encore un peu. Il y a Halloween qui est arrivé, et il y a Noël. Franchement, on a tout, quoi. Il manque le printemps. Ouais. Puis on aura toutes les saisons à Action. Ça. Quand j'ai vu le rayon Noël, j'ai dit à Mathieu, mais non, pas déjà, on n'a même pas encore passé Halloween, quoi. Je veux bien qu'ils soient toujours en avance, hein, dans ce magasin, mais des fois ils y sont un peu trop, je trouve, quand ouais, même. Bah ouais, non, mais là, Noël, c'est un peu plus. C'est comme ça. Donc du coup, là, on va rentrer, parce que bon, on n'avait pas besoin de plus de choses. Mon écran tombe toujours derrière, c'est très pratique. Donc du coup, avec Mathieu, j'ai décidé que j'allais faire mes ongles. Et le chef est d'accord, hein, c'est vrai. Ah, tu fais ce que tu veux, mon petit chef, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, lui, il va faire les, le Mac, du coup, qu'il faut que tu remettes en usine. Ouais. Et puis, il faut qu'il récupère toutes mes photos, etc. Dedans. Donc, pendant ce temps-là, je vais faire mes petits ongles parce qu'il est que 5h10. Donc, ça me laisse 2 heures pour me faire une main. Et comme ça, après manger, je ferai l'autre main. Parce que j'aime pas faire les deux d'un seul coup parce qu'après, j'ai plus la patience. Voilà. Donc, on regarde la morue dans le plat, c'est ça. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, je suis d'accord. Hein, ça ouais, va. Ça me va. Ça me donne un bon compromis. Ouais, ça me va. Ben, si ça te va, ça me va aussi. Voilà. Allez, rentrons. Il y a toujours le chapiteau. Hein. Ouais. C'est quoi ? Bon, les amis, on est rentrés. Du coup, les filles sont dans la chambre. Ça crie un peu. Les filles sont dans la chambre puisque Sarah est en train de regarder le live de Kenji. Voilà, depuis que Lorena lui a offert les CD. Ça ne s'arrête plus, Kenji, mais ça, je l'avais dit. Donc, ils sont en train de regarder le concert. Donc, du coup, elle me pose plein de questions. Quand est-ce qu'elle pourra aller à un concert? Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce que c'est fort? Où est-ce que Kenji habite? J'ai le droit à toutes les questions du monde, voilà. Donc du coup, moi je me suis posée en train de faire mes ongles. C'est un peu le bazar là. Sur la table, voilà. Mais du coup, je me suis fait une main, donc j'ai fait vraiment très simple. J'ai fait une petite French comme ça avec un petit bidule juste ici, voilà, et puis un là. Donc voilà, j'ai fait une main. Il me reste l'autre à faire, mais j'aime bien faire une main par une, enfin. Une main par une main, ça paraît logique, je ne vais pas faire les deux en même temps. Mais en fait, j'aime bien faire une main, une pause, puis une main. Parce qu'en fait, si je fais les deux d'un coup, à la deuxième main, j'en ai marre et entre guillemets, je bâcle ce que j'ai à faire. Et là, j'ai pas envie. Donc du coup, j'ai fait ma première main. Donc je suis contente. Donc là, avec Mathieu, je vais ranger ça. Je vais faire ma deuxième main tout à l'heure après manger. Comme ça, j'aurai fait une grande pause. Et là, avec Mathieu, comme le poulet est en train de cuire... on va regarder Demain nous appartient, mais avant il faut que je nettoie le bout d'aquarium là, parce que je vois qu'il est vert, enfin il est vert, il y a des algues, donc ça veut dire qu'il faut qu'on nettoie les filtres. Donc on va faire ça alors que je viens de faire mes ongles. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Miss Roxane? Pourquoi est-ce que tu râles encore? Que se passe-t-il? Ah, il y a quoi? Ah, c'est caché. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Ah, le collier, il est à toi. C'est ça, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, fais un gros câlin, papa. Voilà. Elle n'a pas fait de sieste, donc c'est un petit peu compliqué. J'espère juste que cette nuit, elle va me laisser dormir. Ce serait bien, ouais. On verra bien, on verra bien. Du coup, on fait quoi? On nettoie vite fait l'aquarium et on regarde Demain nous appartient, ou on fait l'aquarium demain? Non, on va faire l'aquarium. Demain, on n'aura pas le temps. Demain, on n'aura pas le temps? Ben non, demain, on est jeudi. Demain, nous allons à Montsou. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, on va faire ça, alors. Bon, les amis, il est 8h30. On vient de finir de regarder Demain nous appartient. Voilà. Parce qu'on est toujours en retard, hein, de toute façon, ça n'a pas changé. Donc Marie est en train de faire sa deuxième main, voilà. Elle s'en sort plutôt bien, hein, dans l'ensemble, ouais, pas de soucis. En même temps, je fais pas un truc compliqué. Oui, tout à fait. Et puis, bah moi, du coup, je vais lire une petite histoire. Non, je vais lire une petite histoire aux enfants avant qu'ils aillent se coucher. Voilà. On vous reprend tout à l'heure. Thank you.
ce soir, c'était une soirée de luxe puisqu'on a eu le droit à une soirée à deux. Ouais. Roxane, on l'a couché pratiquement en même temps que les filles. Ouais, les filles, on a dû les coucher vers 9h. Ouais. Roxane, on a dû la coucher vers 9h20. Ouais. Un truc comme ça. Et là, il est 11h15 et pour l'instant, elle est toujours pas debout. Gageons que ça continue. On croise les doigts, on touche de la peau de singe. Non, ça, c'est pas de la peau de singe, mais je te dirais pas de la peau de quoi c'est. Il m'énerve. Donc, du coup, là, on va aller monter le vlog. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je vais monter le vlog. Et ouais, toi, tu vas finir le Mac. J'ai fini ma deuxième main, les deux sont faites. Elle a fait les miennes en même temps. Ah non, pardon. Là, je vais te dire n'importe quoi. Ça. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, on va faire ça. Et puis, après, on ira se coucher. Bonjour, Ruben. Tu dormais pourtant. Hein? Oui, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Tu voulais ton câlin du soir. Oh, 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 ta patte. Oh, qu'il est pissou. Oh, 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 il fait des câlins à sa maman. Regarde-le. Comment tu faillotes. Et tu vas te faire disputer par ton maître si tu faillotes un peu trop. Qu'est-ce que tu fais? Dis-lui, je fais un câlin à ma maîtresse. Regarde-le, on croirait un vrai bébé, ce chien. Hein? C'est vrai que t'as l'air malheureux. Hein? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Pauvre chien. Pour info, c'est pas un collier. Ah oui, non, c'est son harnais que vous voyez. Non, mais oui. Je le dis pour info. Oui, non, il a toujours son harnais, on lui enlève... Que le soir, que le soir, ouais, pour dormir, parce que sinon, la journée, en fait, c'est galère le matin pour lui remettre. Et sinon, à chaque fois qu'on le ressort, il faut lui remettre, etc. Donc, on lui laisse la journée, et le soir, quand il va faire dodo dans son petit lit, eh ben on lui enlève le harnais. Voilà. Bon, tu me laisses aller travailler? Bah oui, il faut. Regarde, il se pousse, l'air de dire, oh, fais chier. Il se pousse pas tant que ça, hein. Bon les amis, je vais clôturer tout seul ce vlog. Voilà, tout simplement parce que il est 23h45, voilà, minuit moins le quart quoi. Et en fait on s'est rendu compte avec Mathieu qu'on avait reçu un papier de la CAF qu'on avait complètement oublié de remplir, voilà. Donc du coup Mathieu est en train de le remplir pendant que moi je monte le vlog, parce que c'est pas que j'aime pas remplir les papiers, mais la CAF c'est quand même important. Et je voudrais pas écrire de bêtises, voilà, tout simplement. Et Mathieu, il est un peu plus calé que ça, que moi, voilà, tout simplement. Tiens, le coupon, il est là, les filles l'ont cherché tout à l'heure. Bref. Donc, du coup, c'est Mathieu qui s'occupe du papier de la CAF et moi, j'ai monté le vlog. Mais de toute façon, c'est moi qui avais déjà commencé à monter le vlog avant qu'il commence les papiers. Voilà, puisque avant que je commence les papiers, il finissait de regarder le Mac. Voilà. aujourd'hui, ça aurait été une journée... très calme, voilà, j'ai pas d'autres mots, très calme. Des fois les mercredis c'est tendu parce que il faut occuper tous les enfants et il faut pas que ça se... enfin faut pas, on évite que ça se chamaille, enfin voilà, des fois les mercredis c'est compliqué. Et là je trouve que ça s'est bien goupillé, hein. C'était tranquille, peut-être parce que je l'aurais laissé ce matin tranquille, je leur ai dit je vous laisse gérer, je vous fais confiance, pas de bêtises, je suis à côté, de toute façon je dors pas, comme je vous l'ai dit ce matin, moi je suis restée dans le lit le temps que Roxane se réveille tranquille, j'avais ma porte de chambre ouverte, évidemment je ne dormais pas, voilà, donc j'entendais s'il y avait un problème, mais franchement il n'y a eu aucun souci. Et peut-être que ça leur a fait plaisir que je les laisse un peu libres comme ça. Donc peut-être chose à refaire, refaire prochainement. Voilà. Sinon avec Mathieu, on est aussi en train de prévoir le week-end puisque normalement samedi on s'en va sur Dijon. Donc Dijon c'est à une heure et demie de route de chez nous puisqu'on va aller à Ikea pour acheter 2-3 petites choses et il n'y a qu'un Ikea à Dijon donc on est obligé d'aller là-bas. Donc du coup quand on fait de la route comme ça pour aller jusqu'à Dijon, souvent on prévoit la journée en fait, on va partir vers 10h de la maison, on va manger sur Dijon, on va faire Ikea et après on reviendra. Et on va acheter tout ce qu'il nous faut une bonne fois pour toutes à Ikea parce que, en fait, on veut pas faire 36 000 fois Ikea. Voilà, donc là, on va tout acheter directement. Donc, on est en train de tout prévoir avec Mathieu. En fait, on veut savoir déjà tout ce qu'on veut dans Ikea parce que vous savez que ce magasin-là, il est immense. Et que si vous savez pas, entre guillemets, ce que vous voulez, un minimum, vous y passez 3 plombes. Et moi, 3 heures dans un magasin avec Roxane, ça va être juste impossible, sachant que en plus ce week-end on a tout le monde, enfin on a Roman en plus,
Pas que Roman bouge hein, dans les magasins, mais on a plus d'enfants dans les magasins. Et Ikea, c'est pas spécialement pour eux. Donc voilà, on va faire notre petite liste et tac 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 tac, voilà, on va faire ça et comme ça on rentrera. Je pense que les filles seront contentes quand même d'aller sur Dijon. Voilà, donc moi je vais vous laisser là, je vais aller me démaquiller, me détacher mes cheveux, voilà, me mettre en pyjama et puis on va se donner rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Ruben d'un bois, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Enfin, il y a Mathieu dans la salle, mais je ne sais pas. Donc, ben Ruben, t'arrêtes ! Qu'est-ce qu'il a ? Ah, une voiture qui se gare sur le parking. Donc je vais vous laisser là, je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo, mais ce sera probablement un vlog. Je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, d'activer la petite cloche de notification, c'est très important. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis, si je tenais la caméra jusqu'au bout ça serait bien. Ciao.